Bonsoir. Assiettes en carton, couverts en plastique, gobelets, canettes, sandwich. Que deviennent les milliers de tonnes de déchets des fast-foods? En France, la loi oblige ces 32 000 restaurants à les trier pour les recycler. On trouve de tout. Cette bouteille, ça se recycle. Merci, mais là, tout, ouais. Derrière les promesses des grandes enseignes, leurs poubelles semblent bien peu écolo. Déchets, les fast-foods hors la loi, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Ce soir, les témoignages poignants des rescapés de la prison syrienne de Sednaya, symbole des pires crimes du régime de Bachar el-Assad. Vous irez enfin en Bourgogne, où des joyaux de notre patrimoine, les bouteilles, les vignes et les châteaux des plus grands crus, sont achetés par d'insatiables millionnaires. Ça fait des années qu'on nous demande de trier nos déchets, mais qu'en est-il dans la restauration rapide? L'enjeu est de taille, le leader des fast-foods en France produit 1 kg de déchets d'emballage par seconde. Depuis plus de 2 ans, ces enseignes doivent séparer le plastique, les cartons des restes alimentaires, c'est la loi. Mais est-elle vraiment respectée? Qu'y a-t-il dans leur poubelle XXL? Déchets, les fast-foods hors la loi? C'est une enquête de Maya Boyer et Gilles Beauvon avec Première Ligne. Place de la République à Paris. Côte à côte, les poids lourds de la restauration rapide en France. McDonald's, KFC et Burger King. Il est 4h du matin. Comme chaque nuit, les employés sortent les poubelles. Thibaut Turchet est juriste. Il travaille dans une ONG qui milite pour la réduction des déchets et combat le gaspillage. S'il nous a donné rendez-vous en pleine nuit, c'est parce que son ONG a décidé de s'attaquer au volume faramineux des poubelles des fast-foods. Donc là, il y a les emballages frites de McDonald's, chicken. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des pailles, évidemment des gobelets. Il y a du sundae. Plastique, carton, donc bon là c'est les déchets de salle qui sont tout mélangés. Voilà, on a des résidus de frites, un burger au bacon qui n'a pas été consommé. Voilà, il y a beaucoup de restes alimentaires dans cette poubelle, donc ça sera pas du tout recyclable. Tous ces déchets mélangés dans la même poubelle, c'est illégal. L'ONG a l'intention de porter plainte contre McDonald's. Je prends des photos pour notre action en justice. Toutes les entreprises doivent trier leurs déchets recyclables, papier, verre, bois, plastique et métaux. Ce qui est clairement illégal, c'est le fait que ce soit tout mélangé dans les sacs. Alors en dessous, on voit qu'il y a une pile de carton, qui vraisemblablement, c'est le carton des fournisseurs, a été trié. Le problème, c'est que dessus, il y a les déchets de salle, qui clairement, eux, évidemment, ne sont pas triés. La loi est très claire. Elle oblige les entreprises à séparer leurs déchets dans des poubelles différentes. Ce restaurant risque une amende jusqu'à 150 000 euros. Mais ce n'est pas la seule infraction. Voilà, là, il y a beaucoup, beaucoup de restes alimentaires. Les biodéchets doivent être triés par ce qu'on appelle les gros producteurs, c'est-à-dire les établissements comme ça qui produisent plus de 10 tonnes de déchets organiques par an. Ça fait à peu près 30 kilos par jour. Et donc là, on voit que clairement, ça n'a pas été mis de côté. Le non-respect du tri des biodéchets par les gros producteurs est une infraction pénale. Théoriquement, c'est 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende encourue. Jusqu'à 2 ans de prison, la loi est très ferme sur le tri des restes de nourriture qui peuvent être transformés en biocarburant ou en engrais. Donc là, les éboueurs arrivent. On va voir si ils prennent tout dans la même benne ou pas. Les cartons, les emballages, les déchets alimentaires sont tous mélangés dans la même benne. Ils ne seront pas recyclés, ce qui est donc illégal. Le camion file droit vers l'incinérateur des ordures ménagères. Les déchets de la restauration rapide
envahissent l'espace public et nos poubelles débordent. En France, plus de 32 000 fast-food servent quotidiennement 21 millions de clients. Pour coller à l'air du temps, des enseignes se donnent des airs écolos et demandent à leurs clients de trier leurs déchets. Peut-être par conviction, mais surtout parce que c'est la loi. Depuis 2 ans, les restaurants qui produisent beaucoup de déchets sont obligés de les séparer pour les recycler. La loi est-elle bien appliquée? Qui est responsable? Les chaînes de fast-food? Leurs employés ou les clients? Nous avons soulevé le couvercle des poubelles de la restauration rapide. On trouve des trous. C'est des bouteilles, ça se recycle. Entre marketing vert et petits arrangements avec la loi, les poubelles des fast-food ont bien des choses à nous cacher. La France est le 2e marché mondial de McDonald's, après les États-Unis. Chaque jour, l'enseigne sert 2 millions de clients et chaque jour, elle produit 115 tonnes d'emballage. McDonald's nous ouvre les portes d'un de ses restaurants de nouvelle génération. L'enseigne a bien changé. Des cuisines ouvertes, des burgers préparés sur commande et servis à table. Mais surtout, à l'arrière, les employés ont à disposition de nouvelles poubelles. Pour respecter la loi, McDonald's doit trier ses déchets. Les emballages sont récupérés dans des poubelles spéciales. Les déchets alimentaires sont mis de côté pour être transformés en biocarburant. Mais ces bonnes pratiques écologiques sont-elles appliquées dans tous les restaurants? Deux Big Mac. Oui, il y a deux, c'est deux fois de cheese. Il manque un cheese, il n'y en a plus. Un jeune journaliste de notre équipe se fait embaucher dans un restaurant aux portes de Paris, équipé d'une caméra cachée. La commande 65. Là, comment ça bouge ce soir? Ça dégomme même pas. C'est un restaurant ouvert toute la nuit et particulièrement fréquenté. Je sais pas comment nos poubelles on fait tous les soirs, c'est un truc de ouf. Il est 4h30 du matin. Il doit y avoir entre 20 et 25 sacs poubelles. Le responsable vante bien les nouvelles valeurs de la marque. Chez McDo, on est axé aussi sur le développement durable, sur les économies d'énergie. Au lieu de changer la poubelle, tu vas tasser la poubelle. Mmh. Comme ça, le sac poubelle durera 2 fois plus longtemps. C'est plein de choses comme ça, tu vois. Plein de choses, mais rien sur le recyclage. Première constatation, dans la salle du restaurant, il n'y a pas de poubelle de tri. Tous les déchets sont mélangés. On trouve de tout, ça reste fiable. Ça fait des bouteilles, ça se recycle. Plastique, carton, ces boîtes qui pourraient être recyclées. Et on les jette. Pour le responsable, le tri serait impossible à mettre en place dans ce restaurant. La faute au client, pas assez soigneux. Imagine que tu n'as pas servi chaque client. Bah, ça prendrait du temps ou genre ça demanderait d'embaucher une équipe de plus. Voilà, quoi. Ça fait de la manœuvre. Et du manœuvre, genre, des ventes en plus. Côté cuisine, nous retrouvons les fameuses poubelles de tri. Dans la jaune, les employés doivent jeter les restes alimentaires. Des restes qui sont ensuite vidés dans une poubelle spéciale.
poubelle rouge, c'est la poubelle des emballages. Les employés doivent y jeter les boîtes en carton et les gobelets afin qu'ils soient eux aussi recyclés. Mais ça, c'est la théorie. C'est comme ça que je fais le truc ? Ouais, c'est quoi ça ? Mais attends, mais il y a un sandwich là-dedans ? Non, juste un emballage là. Non, là, il y a le sandwich. Le tri n'est pas très bien fait, hein. Ok, il y a du caramel dans cette poubelle. Pourquoi il y a des tomates dans celle-là ? Ces restes de nourriture empêchent le recyclage des emballages. Faut te faire gaffe parce qu'il y avait des déchets alimentaires dans la rouge, du coup. Ah oui, c'est que j'ai... Que mais là, tu vois, il y a un filet dans la poubelle rouge, quoi. Non, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave ? Non, normalement, c'est là, mais si c'est le temps... On s'en fout ? C'est un petit truc, je t'en fous. Ok. Les employés de ce restaurant semblent accorder bien peu d'importance au tri. Dans le local poubelle, il n'y a pas de benne pour le recyclage du carton et des emballages. Ok, pas de tri quoi. Les emballages triés par les employés sont mélangés avec les restes des repas des clients. Le responsable ne voit pas où est le problème. Mais du coup, en fait, les poubelles de la cuisine, on les mélange avec les poubelles du... Les cuisines, ouais. Les comptoirs, on les mélange toutes. Mais du coup, ça sert à quoi de trier, enfin, du coup, si on remélange tout derrière ? Non, alors, je t'explique. En cuisine, pour l'instant, on n'a pas d'autres tri. Donc les poubelles où il y a des emballages, où il y a tout ça, bah, ça va avec les poubelles du lobby, en fait. Ok, d'accord. Tu vois, parce que pour l'instant, on peut pas. On peut pas le faire. Ça prendrait trop de temps, en fait, de le faire. C'est même pas ça, c'est qu'il faut qu'on le mette en place, il faut qu'on ait l'accord du superviseur. Ok. Je comprends pas pourquoi ils font ça si c'est pour tout remélanger derrière, quoi. Ouais. Mais le tri, c'est pour la forme, hein. Le tri, uniquement pour la forme. Chez McDonald's France, nous allons rencontrer la directrice qui a mis en place toute la stratégie environnementale de la marque depuis 10 ans. On a eu plein de témoignages de gens qui nous disent que le tri n'est pas respecté. Dans certains restaurants, les emballages recyclables triés en cuisine sont remélangés avec les poubelles de la salle. Écoutez, on peut toujours progresser. Je ne connais pas le restaurant, la situation précise de ce restaurant-là. On est au travail pour valoriser chaque déchet en cuisine. Nous avons par exemple les déchets de carton de livraison qui sont valorisés dans la filière papetière depuis 2001. On allait place de la République la nuit devant le McDo et on a vu qu'il y avait beaucoup de cartons de livraison qui étaient mélangés aux poubelles et tout par l'incinérateur. Alors je ne connais pas précisément le cas dont vous me parlez, mais aujourd'hui la filière de valorisation des cartons de livraison est en place et normalement fonctionne. Écoutez, si c'est le cas, on va vérifier ce point-là, mais je ne connais pas précisément le restaurant dont vous me parlez. Dans certains de ces restaurants, McDonald's fait un réel effort et met en place des poubelles de tri pour ses clients. Une poubelle pour les emballages recyclables et une autre pour tout le reste. Les emballages sont ensuite récupérés pour être recyclés. Mais étonnamment, sur les 1450 restaurants de la chaîne en France, seulement 70 organisent ce tri en salle, à peine 5%. Ça fait pas beaucoup, non, de restaurants qui pratiquent ce tri. Ah, je suis d'accord avec vous. Et c'est une grande frustration pour nous de ne pas aller plus vite sur le tri sélectif. Ce n'est pas la mise en place du tri sélectif qui pose problème, c'est bien le système de collecte et de valorisation qui, aujourd'hui, n'est pas complètement structuré et qui ne nous permet pas d'aller plus vite sur la mise en place du tri sélectif. Donc, par honnêteté vis-à-vis du consommateur, lorsque je mets le tri sélectif en place dans un restaurant, c'est que je me suis assurée que ces déchets triés seront bien valorisés dans la bonne filière par la suite. Ces emballages seront-ils bien recyclés ? Pour le vérifier, direction La Loupe, en Eure-et-Loire, à la sortie de la ville, le McDonald's. Nous avons choisi ce restaurant parmi les 70 qui proposent le tri en salle. Nous commandons un menu classique avec ses trois emballages et jetons soigneusement nos déchets
dans la poubelle de recyclage. Les camions ramassent les déchets recyclables de ce McDonald's deux fois par semaine et les emportent à 45 km de là, dans le centre de tri à Dreux. Ici, on trie surtout les poubelles jaunes des particuliers, mais aussi celles des professionnels. Plastique, carton, métal, chaque matière est séparée avant d'être revendue à des recycleurs qui leur donneront une nouvelle vie. Contrairement à ce que dit McDonald's, les déchets de fast-food ne sont pas les bienvenus. C'est même une corvée pour les opérateurs. Sur le tapis de tri, ils doivent vérifier que les emballages ne sont pas trop salis par de la nourriture. Pour ce premier carton de pizza, ça passe. Le second, trop gras, est mis au refus. Tout comme cette boîte de poulet frit. Nous présentons les déchets de notre plateau McDonald's au directeur. Cette boîte de burger, elle va passer en refus, elle ne sera pas valorisée. Mais là, elle n'est pas tellement souillée pourtant. À partir du moment où il y a un doute, le produit partira au refus. On considère simplement qu'elle n'est pas recyclable. Ce cornet de frit, est-ce qu'il est valorisable ou pas? Il n'est pas valorisable. Il n'est pas valorisable dans le sens où il contient des frites. Et ça, vous avez le temps de le voir? À partir du moment où on ne peut pas, de façon instantanée, voir l'intérieur du contenant, il passera au refus. Ici, les emballages de fast-food sont souvent envoyés à l'incinérateur. Le traitement de ces déchets non valorisables est une perte d'argent pour ce centre de tri. L'emballage le plus problématique, c'est ce gobelet, car c'est un produit qui mélange deux matières. Lorsqu'on déchire le gobelet, on voit très bien sur le dessus la pellicule brillante, vous voyez. On distingue ici la pellicule plastique qui permet au contenant d'être imperméable. Et on distingue également le papier carton qui se situe juste derrière. Est-ce que ce gobelet est recyclable? Donc, il est difficilement recyclable dans le sens où il faut arriver à séparer ces deux matières, ce qui aujourd'hui n'est pas simple. Revaloriser ces gobelets est techniquement complexe et revient plus cher. C'est pourquoi de nombreuses entreprises de recyclage les refusent. Dans la matière impropre à la production, on distingue ici le papier et le carton glacé, vernissé, chromé. Ce gobelet entre complètement dans cette définition où on voit ici papier et carton glacé. La difficulté pour le recycleur, c'est de traiter ce produit et c'est pour ça qu'il refuse les gobelets. Ainsi, lorsqu'un gobelet arrive sur le tapis de tri, il est refusé. Et s'il échappe à la vigilance de l'opérateur, l'étape du tri optique lui est fatale. Attention, regardez bien ce gobelet blanc, ça va très vite. Grâce à des capteurs, la machine repère le gobelet et l'éjecte du circuit des matières recyclables. Bilan de notre test. Sur notre plateau McDonald's, aucun emballage n'est recyclé. Nous, on a fait un petit test. On est allé dans un de vos restaurants qui pratique le tri sélectif, dans une commune qui s'appelle La Loupe. On est allé poser la question au centre de tri et on leur a demandé s'ils allaient recycler ces emballages. Et en fait, ils les refusent. Alors, écoutez, nous faisons les choses sérieusement. Quand on met en place le tri sélectif, on s'est assuré de faire les études nécessaires pour justement lever ces freins dont vous me parlez. Parce que vous disiez à l'instant que vous étiez sûr, à partir du moment où vous mettiez du tri en salle, que ça allait bien être valorisé. Ce que j'ai précisé, c'est que lorsque l'emballage était bien mis dans la poubelle des recyclages, nous soyons assurés d'avoir un système de collecte et un système de valorisation. En tout cas, quand nous le faisons sérieusement et nous souhaitons accélérer sur le sujet. McDonald's rejette la faute sur toute la chaîne de traitement des déchets en France qui ne serait pas au point. Le numéro 2 du marché, c'est Burger King. L'enseigne américaine a racheté Quick et compte désormais 550 restaurants en France. La multinationale ne met pas en avant le développement durable et n'a pas souhaité nous rencontrer. Par écrit,
Burger King reconnaît que des chantiers sont en cours, notamment pour la gestion des déchets. Mais il est encore trop tôt pour que Burger King s'exprime à leur sujet. Quel chantier ? On n'en saura pas plus. L'autre poids lourd de la restauration rapide, c'est KFC, avec plus de 200 restaurants en France. Le spécialiste du poulet frit n'affiche lui non plus aucune ambition en matière d'écologie. Respecte-t-il la loi ? Une journaliste de notre équipe se fait embaucher dans l'un des restaurants situés en région parisienne. Voilà les deux, 888. Allez, les crânes à récupérer, s'il vous plaît. Thunders 12, 213, 33 Twings. Ici, pas de développement durable au menu. En salle, le tri n'est pas proposé aux clients. Dans le local poubelle, aucune benne n'est dédiée au recyclage. Pourtant, en cuisine, il y a bien deux poubelles. Une pour les déchets alimentaires et l'autre pour les emballages. La rouge, c'est tout ce qui est consommable, tout ce qui est verte. Ok. En gros, si t'as des frites sur le talon, je vais les prendre et c'est dans la rouge. Et la blanche, c'est tout ce qui est emballage. Les pertes, ce sont les aliments gâchés et les invendus. Mais ici, surprise, s'ils sont mis de côté, ce n'est pas pour les revaloriser, comme l'impose la loi, mais seulement pour comptabiliser les invendus qui font perdre de l'argent à KFC. Quand moi j'ai vidé les poubelles après, ouais. On met tout dans la même poubelle. Dans la benne. Ouais. Ouais. Et du coup, KFC, ils font pas du tout de tri ou même des emballages. D'emballage, mais par contre, de papier. Même pas les cartons de livraison ? Non, parce qu'au final, c'est juste un camion bien qui arrive et qui prend les belles et voilà. Pourquoi nous, on fait pas le tri ? Le problème, poubelle, c'est 8, t'as déjà à peine la place d'en placer deux, avec les moyens du bord. On n'est pas une usine de tri, c'est comme ça, en fait. KFC a refusé notre demande d'entretien. L'enseigne nous assure avoir d'ambitieux objectifs en matière de développement durable et mettre tout en œuvre pour améliorer le processus de tri en restaurant. Dans le KFC où nous avons travaillé, rien n'a été mis en œuvre. Il est bien hors la loi. Certaines enseignes affichent une plus grande ambition en matière de développement durable. C'est le cas d'Exki, né en 2001 à Bruxelles. Le fast-food écolo a ouvert plus de 90 restaurants en Europe, dont 37 en France. Dans cette chaîne haut de gamme, on mange vite, mais on mange bien. Exki nous reçoit dans un de ses restaurants modèles. Les valeurs écologiques de la marque s'affichent partout, de la déco au logo. La carotte, elle est là pour symboliser la nature. Nous avons des produits qui sont végétariens, nous avons des produits qui sont véganes, nous avons des produits qui sont sans gluten, nous avons des produits qui sont sans lactose. Des produits de qualité, souvent bio, vendus au prix fort. Comptez plus de 7 euros pour cette salade. À ce prix-là, le client achète aussi la promesse d'une marque au comportement écologique vertueux. Mais chez Exki, à l'exception des tasses pour le café, tout est jetable. Les couverts, les pailles, les gobelets. Et du côté des emballages des salades et des sandwichs, ça n'est pas mieux. Ici, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de plastique. Je m'attendais à votre question. Alors oui, il y a du plastique. Effectivement, ça peut choquer. Mais il n'y a pas n'importe quel plastique. Ce plastique, tel que vous le voyez ici, est en fait composé à 80% de plastique recyclé. Mais il n'est pas le même recyclable. Alors, pas encore, vous avez raison, mais les choses avancent vite. Dès janvier 2019, à Bruxelles, nous serons en mesure de dire à nos clients qu'ils peuvent recycler, trier également ces bols. En attendant, en France, aucun de ces emballages plastiques n'est recyclé. Côté client, comme McDonald's, Exki a installé des poubelles de tri en salle. Ici, le restaurant va plus loin.
avec une troisième poubelle pour les restes alimentaires transformés en engrais. Seulement en cas d'erreur du client, tout finit dans les ordures ménagères. Comment est-ce que vos employés contrôlent si les clients ont bien fait ce tri? Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Nos équipes sont évidemment formées pour contrôler si le tri a été bien fait. Ah, comment ils contrôlent? Visuellement. En regardant dans les sacs? Ah oui, visuellement. Avant de fermer le sac, ils vérifient qu'effectivement le sac n'est pas... C'est pas difficile, j'ai vu que le sac était noir, il n'est pas transparent, c'est pas compliqué. Non, ils ont l'habitude. Le fast-food écolo tient-il ses promesses? Notre journaliste se fait embaucher dans un autre restaurant parisien de la marque. Et il y a comme un petit parfum de déception dans l'air. Chaque matin en cuisine, trois employés confectionnent les sandwichs. Vous préparez combien de sandwichs par jour? 200? Il n'y a pas d'autre solution que d'emballer les sandwichs dans des plastiques? Ça va faire des années qu'ils font ça. Ça va faire des années qu'on nous pose la même question. Et personne n'en a rien à foutre. C'est quand même pas très écolo, quoi. Ça, c'est sûr. Pour la majorité des employés de ce restaurant, certaines mauvaises habitudes sont difficiles à comprendre. Par exemple, les cartons d'emballage ne sont pas triés. Seul cet employé les met de côté de sa propre initiative. Je m'attends à être dans le carton quelque part. Les autres vont jeter ça dans la noire et moi, en fait, mais comme on a quand même un bac de carton derrière, là, je les mets dans le bac de carton. Mais c'est bien. Ouais. C'est le seul à le faire. En fait, on ne peut pas le faire ici. On va dans les poubelles noires. Enfin, on a une boîte à carton et si on ne le fait pas, c'est que nous, on peut faire. C'est une sombre arnaque, tout ça. Comment ça? Pour le crâne, vraiment, formation, genre, on est écolo, on est machin. Je viens de pas le faire, on a une bataille avec. Il n'y a pas la place, c'est compliqué. Dans ce restaurant côté salle, le client dispose de deux poubelles pour trier ses déchets. À gauche, les bouteilles et les canettes, et à droite, le reste. Mais les apparences sont trompeuses. Toutes les poubelles finissent au même endroit, c'est ça? Mais pourquoi on demande aux clients de trier alors? C'est bizarre. C'est un mensonge. Non, on trie quand même, c'est juste que ça ne sert à rien. Parce que nous, ensuite... Ça finit dans la même benne. Une enseigne écolo qui ne respecte pas la loi sur les déchets. Pour certains employés, c'est un peu dur à avaler. Concilier fast-food et écologie en pratique, c'est un casse-tête. Vos employés nous ont expliqué qu'effectivement, malheureusement, dans la journée, les emballages, le carton, tout cela partait dans la grande poubelle de déchets et n'était pas trié. Que ce tri soit pas forcément correctement effectué partout, je le regrette et je le déplore. Peut-être avons-nous péché par excès de confiance en pensant que ce tri serait inné auprès de nos équipes comme auprès de nos clients. On se rend compte que c'est plus compliqué. Nous formons bien évidemment nos équipes du mieux que l'on peut. Donc on est conscient et on est sincèrement investi. On ne peut pas claquer les doigts et dire ça y est, on a la solution magique. Ça n'existe pas. On est dans un univers complexe et il n'y a pas de réponse simple. Des milliers de tonnes de déchets non recyclés. Toujours plus de plastique et des emballages abandonnés sur la voie publique. Le bilan écologique des fast-foods n'est pas très brillant. Alors, de plus en plus de citoyens se mobilisent et partent en guerre contre les déchets. À Nantes, des joggeurs à la fibre écolo se réunissent pour nettoyer les rues du centre-ville. Voilà, on a un emballage de burger, triple cheeseburger, qui ne doit pas être mauvais. Mais l'emballage, il n'y a rien à faire ici. Ah, kebab.
Là, ça fait 10 minutes qu'on est parti courir et nos sacs sont déjà tous pleins. Des cannes de coca, des déchets de fast-food, des coupelles de café, des choses qui sont pas très utiles dans la nature, qui sont mieux dans une poubelle. Nicolas Lemonnier a créé un groupe Facebook de coureurs avec un concept très simple. Pour une course à pied, au moins un déchet ramassé. L'engouement est immédiat. Des sportifs se mettent à ramasser des déchets sur tous les continents et postent leurs photos. Un succès très remarqué. Nicolas Lemonnier est invité en Californie pour rencontrer une personnalité très influente. Là, c'est Mark Zuckerberg, le créateur et le PDG de Facebook. Donc là, c'était dans les locaux de Facebook à Palo Alto, aux États-Unis, un mois après qu'il ait dit que c'était son histoire favorite sur Facebook. Mark Zuckerberg partage l'initiative sur sa propre page à ses 118 millions d'abonnés. Grâce à ce coup de pouce, le groupe compte aujourd'hui 50 000 membres dans 103 pays. Bilan de la course du jour. On a ramassé à peu près 2 kilos par personne, on est 10, donc ça fait 20 kilos. On a parcouru 4 kilomètres. Qui est responsable de ces détritus? Les enseignes de la restauration rapide se défaussent en pointant souvent l'incivilité des clients. Le consommateur n'est pas le seul responsable. La concentration de déchets, elle augmente aussi fortement autour des lieux de production de tous ces produits. Des restaurants, des fast-foods, des kebabs, les producteurs de ces emballages ont une grande part de responsabilité dans l'éducation de leurs clients. Ces produits aujourd'hui, ce n'est pas nous qui les avons consommés, mais c'est nous qui allons les trier et les recycler. On le fait parce qu'on a une conscience écologique, mais l'idéal serait que les responsables le fassent. Ramasser et trier les déchets, c'est bien. Mais en produire moins, ce serait encore mieux. Des solutions existent. Un gobelet sans couche de plastique, des couverts en bois, des bols compostables. Avec leur puissance financière, les mastodontes de la restauration rapide pourraient décider de changer leurs pratiques. À ce jour, de l'aveu même du ministère de l'Environnement, aucun contrôle n'a été effectué et aucune enseigne de fast-food n'a été sanctionnée. Bonsoir Brune Poirson. Bonsoir Alice Lucet. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire et vous êtes notamment en charge, et ça nous intéresse beaucoup, des dossiers liés au recyclage et au tri des déchets. Est-ce que vous êtes surprise par ce que vous venez de voir dans notre reportage? Quelle est votre réaction? J'ai vu le reportage et effectivement, je suis scandalisée. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et moi, quand j'ai été nommée, il y a un an, au ministère de la Transition écologique et solidaire, eh bien, j'ai découvert ces décalages entre, d'un côté, une loi ambitieuse qui avait été votée par le gouvernement précédent et la réalité. Et ce fossé-là, entre les ambitions et la réalité, dès le début, on s'est attaqué à prendre des mesures concrètes de façon à ce qu'à l'avenir, ça ne puisse plus arriver. Alors justement, si vous n'êtes pas surprise, si vous avez découvert cette réalité il y a un an, pourquoi est-ce que vous n'avez pas engagé de poursuite contre ces établissements de fast-food? Ce qui se passe, quand vous regardez la loi et la réalité, c'est que c'est flou. La loi, elle n'est pas suffisamment précise. Elle ne détermine pas suffisamment avec précision exactement quelles sont les responsabilités de quel acteur. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans votre reportage. Par exemple, McDonald's cherche à se dédouaner en disant « mais après tout, ce n'est pas de notre faute. Si de l'autre côté, en fait, c'est de la faute de la ville, elle n'a pas mis en place le système de gestion. » C'est pas ma question. Pourquoi vous n'engagez pas le système de gestion des déchets? Pardonnez-moi, ma question, elle est simple. C'est si vous avez découvert la situation il y a un an, pourquoi vous n'engagez pas, vous, l'État, de poursuite contre ces géants du fast-food? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On veut s'armer de façon à mieux lutter contre des pratiques comme ça qui sont scandaleuses. Jusqu'à présent, ce qu'on voit, et ce que votre reportage montre
remarquablement bien, c'est que chaque acteur de la chaîne, cherche à se dédouaner de ses propres défaillances sur l'autre. On l'a vu, McDonald's dit, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de la ville. Vous venez de nous le dire, mais vous, encore dit, une fois, c'est pas de notre faute. Par exemple, il y a un autre acteur aussi. Pourquoi vous qui ne, dans la pourquoi chaîne, vous ne mais attendez, pas, je crois que c'est important. Il y a plusieurs possibilités. Un, vous pouvez agir au pénal. C'est ce que vient de faire Zero Waste en portant plainte contre deux restaurants de ces enseignes de fast-food. Vous pouvez aussi prendre des sanctions administratives qui vont jusqu'à 150 000 euros d'amende. C'est très dissuasif pour ces grands groupes. Pourquoi vous ne prenez pas de mesures concrètes ? Ce qu'on veut faire, c'est aller plus loin pour permettre de mettre en œuvre la loi concrètement, pour que plus aucun acteur de la chaîne ne puisse se dédouaner de ses responsabilités. C'est ce qui se passe là dans le reportage. Vous ne citez pas, par exemple, aussi les éco-organismes qui ont une responsabilité. Oui, c'est un peu complexe, Élise Lucet, mais la réalité de la gestion des déchets en France, elle n'est pas simple. Non, elle n'est pas aussi simple que ce que c'est montré dans le reportage. Et je vais vous dire une chose, c'est encore pire en réalité que ce que votre reportage le montre. Et donc, ce qu'on a fait, depuis que j'ai été nommée au gouvernement, on a réuni et on a mis autour de la table régulièrement l'ensemble des acteurs du recyclage. On nous a dit qu'il ne se passait rien l'ensemble dans ces des acteurs de c'est recyclage. Ce que nous disent les ONG, que vous n'êtes pas à ces ONG, réunions, vous personnellement, et qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Eh bien, les ONG, elles ont toutes participé à la mise en place de ce plan d'action qui a été présenté par le Premier ministre, qui vise à faire en sorte que plus aucun acteur ne puisse se dédouaner de ses responsabilités. Et ça va être traduit aussi en projet de loi. Pourquoi ? Parce qu'en France, est-ce que vous pensez que ces entreprises du fast-food, elles se permettraient de déroger aux lois et aux règles concernant le respect des normes d'hygiène, comme elles le font sur le tri ? Et comme elles le... Eh ben, le tri alors, c'est l'hygiène environnementale. Je vous demande, je vous pose une question très précise. Là, au cours de cette enquête, on a posé beaucoup de questions aux ONG qui nous ont dit qu'il n'y avait pas ou très très peu de contrôle vis-à-vis justement de ces chaînes de fast-food. On voit très peu d'organismes de l'État à 4 heures du matin devant les poubelles de ces fast-food. Est-ce que vous nous annoncez là que des contrôles, il va y en avoir, des sanctions, il y en aura, des sanctions administratives et des sanctions pénales. Est-ce que vous vous engagez à ça ? On suit de façon très étroite la situation de McDonald's, par exemple, en France. Je vous l'ai dit, on a des lettres qui nous disent qu'ils font bien les choses. Mais moi, j'ai vu les écarts entre les écrits, par exemple, dans cette lettre qui nous dit ça. Et donc, il y a quelques mois, j'ai eu un rendez-vous avec le responsable de McDonald's France. Je lui ai demandé d'agir. J'ai vu aussi qu'il n'agissait pas suffisamment. C'est pour ça que je vais utiliser la même méthodologie que ce que j'utilise dans d'autres secteurs, par exemple la pollution par les mégots de cigarettes, et que je vais convoquer au ministère de la Transition écologique et solidaire, avant la fin du mois, l'ensemble des responsables des chaînes de fast-food, pour qu'ils nous présentent un plan d'action qui soit clair. Et ce que je vais aussi leur dire, c'est qu'on est en train de travailler ces deux mesures qui sont non plus seulement administratives, comme c'est aujourd'hui le cas, mais ensuite pénales. Merci à vous, Brune Poirson, d'être venue sur notre plateau, et on suivra bien sûr ce dossier, et on suivra les décisions que vous allez prendre. Merci encore. Merci à vous, les succès. C'est une enquête hors du commun dont nous allons vous parler maintenant. Des ONG, des militants, des experts collectent depuis des mois des témoignages effroyables d'anciens prisonniers syriens. Tous sont passés par la prison de Sednaïa au nord de Damas, sans doute la pire du régime de Bachar el-Assad. Ceux qui ont pu en sortir, et ils sont très peu nombreux, racontent l'horreur, les mauvais traitements, les coups, la torture. Et ces survivants espèrent un jour voir leur bourreau devant la justice. Syrie, les rescapés de l'enfer. L'enquête est signée Virginie Villard, Guillaume Beaufils, Mathieu Régnier et Nils Montel. Cette photo satellite est la seule image qui existe aujourd'hui de la prison de Sednaïa en Syrie. Une prison militaire proche de Damas, inaccessible. Aucune organisation internationale, aucun journaliste ne peut y pénétrer. Peu de détenus sortent vivants de Sednaïa. Ces rescapés décrivent l'enfer, un lieu où règne la torture et la mort. Les gens n'avaient plus que la peau sur les os. Ils n'avaient même plus de sang dans les veines. Tous les jours, il y a des morts. Il y a ceux qui succombent à la torture, ceux à qui on fracasse la tête contre le mur, et ceux qui meurent de maladie dans la prison.
tous les jours il y a des morts. Les gardiens ne nous lâchaient pas tant que nous n'étions pas totalement ensemble. Ils ont voulu me tuer, mais je ne suis pas mort. À Sednaïa, sont emprisonnés essentiellement des opposants à Bachar el-Assad. Des civils arrêtés dès le début de la révolution il y a 7 ans. Au printemps 2011, des dizaines de milliers de manifestants sont raflés dans toutes les villes du pays. Le régime veut écraser la dissidence et faire taire à tout prix les voix dissonantes. Sednaïa n'est pas une prison normale. Il faut que le monde entier le sache. Il faut savoir que c'est un camp de la mort. Un camp de la mort où Bachar el-Assad extermine tous ceux qui se sont révoltés contre lui. Que se passe-t-il vraiment derrière les murs de cette prison? Ces images de synthèse sont précieuses. Elles permettent de rendre visible ce que le régime syrien veut cacher au monde entier. L'intérieur de la prison de Sednaïa. Ces longs couloirs, ces cellules minuscules où la lumière ne pénètre jamais. Cette maquette en 3 dimensions est le fruit d'un an et demi d'enquête. L'entrée est ici et les fourgons de prisonniers entrent par là, a priori. Philippe Luther est spécialiste de la Syrie chez Amnesty International. Anna Naomi de Souza est chercheuse pour un cabinet d'architecture. Ensemble, ils ont reconstitué chaque recoin de cet endroit inaccessible, avec pour seul élément cette vue satellite. Ici, vous voyez à l'intérieur de cette ligne rouge, c'est le périmètre de la prison. Le bâtiment principal est appelé le bâtiment rouge. Celui-ci, là, vous voyez, il a une forme particulière. On dirait une hélice d'hélicoptère. C'est ici que les prisonniers sont enfermés. Pour comprendre les conditions de détention à Sednaïa, ils ont rencontré plus de 80 rescapés de la prison. Grâce à leurs témoignages, ils ont pu établir la taille des cellules d'isolement. 4 mètres carrés à peine, où s'entasseraient jusqu'à 15 détenus. La particularité de Sednaïa, c'est que les prisonniers sont plongés dans le noir complet. Ils nous ont donné peu de descriptions visuelles. Les prisonniers ont les yeux bandés avant même leur arrivée à la prison. Et ensuite, ils sont gardés dans l'obscurité. Même s'ils ne voyaient pas grand-chose, ils entendaient énormément. Ces sons racontent beaucoup de choses sur cette prison. Leur mémoire auditive nous a permis d'apprendre beaucoup sur ce qu'il se passait en dehors des cellules. Les récits de ces anciens détenus ont permis de reconstituer tout l'univers de Sednaïa. On les voit ici, questionnés par des ingénieurs du son pour tenter de recréer les bruits de la prison. Certains ont souhaité rester anonymes. Vous pouvez vous souvenir du bruit des palais gardiens? Ils étaient rapides ou pas? Oui, très rapides. Comme ça, par exemple? Non, plus rapide. Plus rapide que ça? Ça faisait comme si quelqu'un marchait sur du feu. Comme si ses pieds touchaient à peine le sol. Oui, voilà, comme ça. Ah, ok, avec un peu moins d'écho. Ils ont reproduit les sons des cellules bondées. Mais aussi ceux des salles de torture et le bruit des passages à tabac.
Parmi les rescapés, Diab Seria est celui qui a passé le plus de temps à Sednaya. Il y est resté 5 longues années. On était habitué à voir des pneus et des instruments de torture dans cette zone. Des pneus, des câbles, des fouets sont entreposés ici. Il y avait aussi des câbles électriques. Ça fait un son piquant comme ça. Diab a été libéré au début de la révolution en 2011. Il se souvient de chaque instrument de torture. Il y avait un câble, c'était comme une grosse chaîne de vélo. Le son ressemblait à un bruit de marteau sur du métal. Comme ça. Comme ça, mais beaucoup plus fort. Comme ça, plutôt. Les équipes d'Amnesty International veulent documenter les exactions du régime, dans l'espoir qu'un jour, Bachar al-Assad soit jugé pour ses crimes. La torture a été employée à une échelle industrielle en Syrie depuis le soulèvement de 2011. Elle existait avant, bien sûr, mais elle s'est largement amplifiée en 2011. Dans les prisons des services de renseignement, aussi cruels que soient ces endroits, il y a en général des buts très précis à la torture. La torture vise toujours à obtenir des aveux des prisonniers. La différence à Sednaya, c'est que l'objectif de la torture n'est presque jamais d'obtenir des aveux. C'est juste une façon de punir. Du point de vue des membres du régime, c'est une façon de dire aux détenus « Vous êtes les méchants, vous êtes les terroristes, vous ruinez le pays, et nous allons vous faire payer pour cela. Et nous allons vous le faire payer quotidiennement. » Ils m'ont emmené à Sednaya le 13 mai 2013. J'ai été accusé de participation aux manifestations, d'incitation à l'émeute, de financement du terrorisme, d'incitation à la dissidence. Imad est aujourd'hui réfugié en Turquie. Il avait 24 ans quand la police du régime l'a arrêté. À l'époque, cet étudiant en économie participe aux manifestations à travers le pays. Son nom figure sur une liste d'activistes recherchés par les services secrets. Avant d'être transféré à Sednaya, j'ai été détenu dans 3 prisons différentes des renseignements généraux. À Latakié, à Homs et à Damas. Quand je suis arrivé à Sednaya, j'ai regretté la tendresse de ces 3 autres prisons. C'est dire. C'est d'une telle sauvagerie qu'on a du mal à imaginer des êtres humains capables de tels actes. Imad se souvient encore parfaitement du jour où il est arrivé à Sednaya. Il faisait partie d'un groupe de 19 prisonniers. Ils nous ont fait entrer par cette porte principale. Il y a une grande entrée ici. On nous a tout de suite emmenés dans le bâtiment rouge. Et là, on a eu ce qu'on appelle une fête de bienvenue. La fête de bienvenue dont il parle serait réservée aux nouveaux arrivants. Un rituel sanguinaire propre à Sednaya. Pour commencer, ils nous ont tous déshabillés et ils nous ont fouillés partout. Ensuite, ils nous ont demandé de nous allonger par terre l'un après l'autre. Puis 3 ou 4 soldats s'acharnaient sur chaque personne. Ils nous donnaient des coups de matraque, des coups de bâton. Et surtout, ils nous frappaient avec des gros morceaux de pneus de camion. Ils utilisent souvent ça à Sednaya. Les geôliers ne s'arrêtent que quand la personne devient une masse de sang. S'ils estiment qu'il n'y a pas assez de sang, ils continuent. Nous étions 19 en arrivant. L'un d'entre nous est mort.
il n'a pas survécu au coup. Imad est resté emprisonné 2 ans et demi à Sednaya. Chaque jour, il dit avoir subi la faim, la soif, les coups et le sadisme des geôliers. Nous n'avions absolument pas le droit de parler entre nous. Jamais. Nous étions comme des statues. Les gardes nous répétaient « Vous et le mur, vous ne faites qu'un ». C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas ouvrir la bouche. Nous étions tous très affaiblis, sans aucune force. La nourriture qu'ils nous donnaient était uniquement pour nous maintenir en vie. Ou plutôt en survie. Notre état de santé ne nous permettait absolument pas de supporter ces coups. À tel point qu'un simple rhume, une diarrhée banale tuait immédiatement. Je vous jure qu'en 2014, la diarrhée a tué des centaines de prisonniers. Les gens n'avaient plus que la peau sur les os. Ils n'avaient même plus de sang dans les veines. Imad est libéré en décembre 2015 grâce à un échange de prisonniers entre le régime et les rebelles. À sa sortie, il a perdu plus de 30 kilos. À bout de force, il fuit la Syrie pour rejoindre sa famille en Turquie. Sur cette vidéo, on le voit lors de ses retrouvailles avec ses proches. Il ne les avait pas vus depuis 5 ans. Baba. Là, c'est mon père, Mama. Ma mère, mon cousin et mon frère. C'était un rêve, personne n'y croyait. J'avais rêvé tellement de fois de ces moments quand j'étais à Sednaya. Quand c'est arrivé, je me croyais dans un rêve. Je pensais que j'allais me réveiller à Sednaya de nouveau. Ceux qui reviennent de l'enfer, comme lui, ne sont pas nombreux. À Istanbul, Diab Seria s'est lancé dans une quête sans fin. Après avoir participé au projet d'Amnesty International, il recense désormais les rares survivants. La difficulté de ce travail, c'est de retrouver les anciens détenus. C'est très rare qu'ils viennent nous voir d'eux-mêmes. Parce qu'à leur libération de Sednaya ou de toute autre prison, le régime les force à signer plus de 25 engagements pour ne rien révéler sur leurs conditions de détention. Alors c'est normal. Ils ont très peur et ils n'ont pas envie de parler. Depuis le printemps dernier, il a constitué une base de données avec les 150 témoignages qu'il a pu recueillir. Nous rentrons plusieurs informations comme la date d'entrée du détenu à Sednaya, la durée de son emprisonnement ou l'unité qui a ordonné sa détention. Diab travaille pour l'histoire. Il veut répertorier les crimes de Sednaya pour être prêt le jour où le régime devra rendre des comptes. Ce matin-là, il reçoit Hassan, sans doute le détenu le plus récemment libéré. Le jeune homme de 29 ans a quitté la prison en mai dernier. Comment vas-tu ? Un peu mieux. Sa famille a payé plus de 20 000 euros pour sa libération. Une pratique courante en Syrie, souvent l'ultime recours pour les proches des détenus. Les dates ne sont pas très importantes, mais les petits détails m'intéressent beaucoup. Hassan ne veut pas qu'on le reconnaisse, par peur des représailles contre ses parents restés en Syrie. Pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi tu es allé en prison. Moi, je suis de la ville de Daraya. Je faisais partie de cette jeunesse qui s'est soulevée. Tu as été arrêté pour participation aux manifestations, c'est ça ? Oui, absolument.
Si ça ne te gêne pas trop, pourrais-tu me donner des exemples de torture que tu aurais subi toi-même ou que tu aurais vu sur d'autres détenus? Il y a une technique de torture qu'ils appellent le poulet rôti, parce qu'ils te font griller comme un poulet. Avec de l'électricité, tu veux dire? Oui, avec de l'électricité. Un gardien me mettait debout, tout nu, sur le sol carrelé, et il versait de l'eau sur mes pieds, avec du liquide vaisselle. Ensuite, il allait s'asseoir un peu plus loin, et il électrisait l'eau avec son bâton électrique. Ça m'électrocutait les pieds, je sautillais. Et à cause du liquide vaisselle, je glissais, et je tombais. Je me cognais partout à cause du sol glissant. Une fois à la tête, une fois à l'épaule. Parfois, je me cassais le poignet. C'était vraiment ignoble. C'est la première fois que Diab entend parler de ce sévice. Il a pourtant répertorié 150 techniques de torture différentes à Sednaya. Le récit d'Hassan est essentiel. Il témoigne de crimes toujours en cours. Un des pires moments qu'on vivait dans la prison, c'était quand le geôlier ouvrait la porte de la cellule et demandait à un détenu de tuer son ami. C'est une des pires méthodes de cette sale torture. Évidemment, s'ils refusent, le geôlier les tue tous les deux. Et ils devaient le tuer en lui brisant le cou ou en lui cognant la tête sauvagement contre le mur. Tous les jours, il y a des morts à Sednaya. Il y a ceux qui meurent sous la torture, d'autres on leur fracasse la tête contre le mur, il y a ceux qui meurent de maladie. Je n'ai pas de nombre précis, mais tous les jours, une ou deux personnes mouraient dans ma cellule. Hassan se souvient aussi des prisonniers qu'on emmenait en pleine nuit. Toute la nuit, on entend le va-et-vient des geôliers, des agents de la sécurité, des portes qui s'ouvrent et se ferment. Dans le calme de la nuit, tout le monde se rend compte de ce qu'il se passe. Une fois par mois, le mardi, ils emmenaient un groupe. Ils étaient parfois 100 personnes, 150, voire 200. Il y a des choses qu'on entend bien dans la prison. Alors une fois, je me suis mis à écouter le bruit des menottes dans la nuit. J'arrivais dans le calme à me concentrer sur le bruit de chaque menotte qui se refermait. Et j'en ai compté 320 cette nuit-là. Ceux-là ne sont jamais revenus. Des milliers de détenus auraient disparu. C'est aussi ce qu'affirme Amnesty International. Ils l'ont appris de l'aveu même de trois anciens gardiens de Sednaya qu'ils ont réussi à interroger. Les geôliers racontent tous que ces prisonniers emmenés dans la nuit étaient exécutés lors de pendaisons de masse. D'après l'enquête qu'on a menée, on sait qu'avant d'être exécutés, les prisonniers étaient mis dans un camion ou un minibus dans cette cour, là. Et ensuite, ils parcouraient quelques centaines de mètres jusqu'à cet autre bâtiment. À la base, les gardiens leur disaient qu'ils seraient transférés dans une prison civile. Donc pour eux, c'était une bonne nouvelle. Ils étaient heureux car ils étaient dans une des pires prisons militaires du pays. Mais ils comprenaient rapidement qu'ils ne seraient jamais transférés dans une autre prison. En fait, ils étaient simplement amenés dans une autre partie du bâtiment. Là, on peut voir la porte par laquelle ils rentraient dans la salle d'exécution. Et finalement, les détenus réalisaient qu'ils allaient être exécutés seulement au moment où ils sentaient la corde autour de leur cou. Ce
Selon les estimations d'Amnesty International, entre 5 000 et 13 000 prisonniers auraient été pendus dans ce bâtiment entre 2011 et 2015. Des chiffres invérifiables que Bachar al-Assad a contestés. Une semaine après la publication du rapport de l'ONG, le président syrien accorde une interview à nos confrères de LCI et Europe 1. Il est questionné sur la prison de Sednaya. Ce rapport est bâti sur des allégations. Il n'y a pas un seul document, pas une seule preuve. Ils ne parlent pas de 13 000 morts, ils disent entre 5 000 et 13 000 morts. On passe du simple au double. Ce n'est pas précis. Aucun nom n'est mentionné parmi les victimes supposées. La peine de mort est légale en Syrie. Cela fait partie du droit syrien depuis l'indépendance. Le gouvernement a le droit d'exécuter n'importe qui conformément à la loi. La question est, pourquoi torturer? Dans quel but? Qu'est-ce que nous y gagnons? Sommes-nous des sadiques? Est-ce pour obtenir des informations? Non, les informations, nous les avons déjà. Nous ne recourons pas à la torture. Ça ne fait pas partie de notre politique. Bachar al-Assad balaie ses accusations de torture et d'exécution de masse. Pourtant, depuis le soulèvement populaire de 2011, plus de 80 000 Syriens ont disparu. Des opposants au régime, des manifestants, de simples passants, arrêtés arbitrairement par les services de sécurité. Depuis des années, les familles de ces disparus sont sans nouvelles de leurs proches. Comme Amena Roulani, qui a perdu tout contact avec ses deux frères il y a 6 ans. Majed était étudiant en droit. Il était convaincu par la révolution pacifiste. Voici Majed Roulani, haranguant la foule lors d'une manifestation dans la ville rebelle de Daraya en avril 2011. Son bonheur était à son comble quand le printemps arabe a atteint la Syrie. Il était l'un des premiers à descendre dans la rue. Majed a 22 ans quand il est arrêté. Il est rapidement transféré à la prison de Sednaya, comme son frère aîné, Abdel Sattar. Abdel Sattar avait 30 ans quand il a été arrêté. Il était commerçant, marié, père de 2 enfants. La dernière fois que nous avons eu des nouvelles de mes frères, c'était en décembre 2012. On nous avait autorisé une visite à la prison de Sednaya. Jusqu'au mois d'août dernier, nous avons vécu entre la peur et l'espoir de les revoir. Cet été, pour la première fois, le régime a dévoilé les noms de 8000 détenus morts en prison. Majed et Abdel Sattar en font partie. C'est un acte de décès au nom de Abdel Sattar, avec son nom, son lieu de naissance, sa date de naissance. Le lieu de décès est Damas. La date de décès, le 15 janvier 2013, à 22h. Et j'ai reçu le même document pour Majed. La différence, c'est uniquement sur le nom et la date de naissance. Sinon, tout est pareil. Deux frères, décédés le même jour et à la même heure dans la même prison, sans que la cause du décès ne soit indiquée. Pour elle, il n'y a aucun doute. Majed et Abdel Sattar ont été exécutés par le régime. En révélant les noms des détenus morts en prison, le régime a voulu transmettre un message aux familles. Il a voulu nous dire « Ceux qui ont provoqué la révolution, je les ai tués. Vous n'y pouvez plus rien. » C'est comme si la mort nous envahissait nous-mêmes. Amena Roulani vit en Grande-Bretagne depuis 7 mois. C'est depuis cette terre d'accueil qu'elle mène désormais son combat. Elle veut raconter l'histoire de ses frères.
faire connaître au monde entier les horreurs de Sednaya. Il est important que nous continuions à parler des crimes de Bachar el-Assad à Sednaya. Quand il révèle les noms des détenus morts en prison, il veut nous imposer le silence, en nous plongeant dans la douleur. Mais nous n'arrêterons jamais de rendre hommage à nos morts. Ce jour-là, elle se rend à une conférence organisée par Amnesty International sur la torture dans les prisons syriennes. Bonjour Amena. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et toi? C'est la première fois qu'elle parle de ses frères devant un public aussi nombreux. Sorry. Je suis désolée. Bonsoir. Je m'appelle Amena. J'ai décidé de parler de mes frères et de tous les jeunes qui ont sacrifié leur liberté au nom de la démocratie. On doit se souvenir d'eux. Je n'arrêterai jamais de dire à quel point ils étaient courageux. Je le fais pour les générations futures. Nous devons raconter au monde entier les atrocités de Bachar el-Assad. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suis vraiment désolé. Les mots me manquent. L'homme qui prend la parole est un avocat spécialisé en droit international. Je pense que c'est très important que vous écoutiez cette histoire. C'est horrifiant. J'ai été impliqué dans de nombreux conflits. C'est le pire que j'ai jamais vu. Le plus important aujourd'hui, c'est de documenter ce qu'il se passe, en espérant qu'un jour, ces hommes diaboliques qui pratiquent ces horreurs seront tenus pour responsables et jugés. Les crimes du régime syrien sont dénoncés depuis longtemps à l'ONU. De nombreux détenus sont morts des suites de maladies non traitées ou de blessures. Cela s'ajoute aux accusations d'exécution. La torture continue à être perpétrée de manière systématique. Le régime d'Assad commet des atrocités qui rappellent les pires crimes de guerre de l'histoire. La perspective d'un procès pour Bachar el-Assad semble lointaine. Damas bénéficie d'un soutien indéfectible de la Russie. Avec son veto, Moscou bloque systématiquement toutes les résolutions de l'ONU pour saisir la justice internationale. Face à cette inertie, une organisation prépare dans l'ombre l'hypothétique procès de Bachar el-Assad. Nous avons pu rencontrer ces enquêteurs, à condition de ne pas révéler l'endroit où ils opèrent. Leur bureau se trouve quelque part en Europe, dans un bâtiment ultra sécurisé. Entre leurs mains, des documents très sensibles. Des fax, des notes, des rapports rédigés par des membres du gouvernement syrien et dérobés en toute clandestinité. Bill Willey est un spécialiste des crimes de guerre. Il a travaillé sur les exactions au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Il a monté cette cellule d'enquête il y a 6 ans. Là, vous êtes dans la salle des archives. Ces boîtes contiennent tous les documents du régime que nous avons pu récupérer. Là, dans cette boîte, ce sont les tout premiers documents que nous avons extraits de Syrie. Si je me souviens bien, c'était en 2012. Un de nos hommes a été blessé en sortant cette documentation de Syrie. Il s'est fait tirer dessus. Ces documents lui sont fournis par un réseau d'infiltrés. Une quarantaine de Syriens proches de l'opposition.
Ils vont récupérer tous ces papiers après les bombardements dans les bâtiments du régime. Les infiltrés ramassent tout ce qu'ils trouvent et les envoient dans les bureaux de la cellule en Europe. En 6 ans, ils ont récolté 800 000 documents. Par mesure de sécurité, nous ne pouvons pas les montrer. La plupart des documents ici sont des documents qui émanent du régime, en particulier des services de renseignement et de l'armée. Security intelligence, political and military structures of the regime. C'est la base des dossiers judiciaires qu'on veut monter contre Bachar el-Assad. Toute procédure pénale internationale est basée sur la documentation générée par les auteurs de crimes eux-mêmes. Dans l'idéal, cette documentation contient, comme la nôtre, les noms des suspects ou des notes signées par les suspects eux-mêmes. Son association est financée par 6 États et l'Union européenne. Pour réussir à prouver un jour les crimes de guerre, elle doit accumuler un maximum d'éléments. Vous n'avez pas de document qui dit « torturer tout le monde à mort ». C'est extrêmement rare. Même les nazis, pendant la guerre, n'écrivaient pas directement qu'il fallait éliminer les juifs. Bill Willey nous montre un document qui, selon lui, prouve les arrestations massives ordonnées par le régime. Une note du Bureau national de sécurité, un organe très puissant qui pilote les services secrets syriens. C'est un ordre qui date du 19 août 2011. Il donne des instructions officielles aux chefs de différentes provinces à travers le pays. Cette note désigne clairement les personnes à arrêter. En particulier, et c'est là qu'il parle de catégories bien précises, les personnes qui incitent à manifester, les personnes qui financent ces manifestations, les membres de l'opposition locale qui organisent ces manifestations, et ceux qui ternissent l'image de la Syrie dans les médias étrangers ou auprès d'organisations internationales comme l'ONU. Il est clairement écrit qui arrêter. Ils ne disent pas noir sur blanc qu'il faut les maltraiter ou les tuer, mais ils savent très bien que c'est ce qui va se passer. Le procès de Bachar al-Assad aura-t-il lieu un jour? C'est l'espoir de tous ces rescapés, de ces enquêteurs qui inlassablement réunissent des preuves pour la justice. Trois ans après sa libération, Imad vit toujours avec les fantômes de Sednaya. J'ai longtemps eu des cauchemars terribles au quotidien. Quand je me réveillais et que j'ouvrais les yeux, j'avais peur de la couverture de mon lit. Je la confondais avec celle que j'avais à Sednaya. Cette terreur, je l'ai vécue tous les jours pendant un mois après ma sortie. Imad se reconstruit petit à petit. Il vient de trouver un emploi dans une banque à Istanbul. Est-ce que je m'en suis vraiment sorti? Non, je vous mentirai. Je m'adapte à la routine, à la vie quotidienne, à mon nouveau travail. Mais Sednaya reste en moi. Hassan a décidé d'aller voir un psychiatre. 6 mois après sa libération, lui non plus n'arrive pas à se débarrasser de ses cauchemars. Moi, je suis fier de faire partie de ceux qui ont planté la graine de la révolution. Je n'ai jamais regretté d'avoir manifesté. Je savais ce que je faisais. Je savais très bien que ce chemin me mènerait soit à la mort, soit à la prison. Le jour de notre tournage, Hassan a appris qu'il était admis à l'université en Turquie. Il va reprendre les études de littérature qu'il avait commencées en Syrie avant la guerre.
Un autre grand reportage d'Envoyé spécial vient d'être récompensé. Nous en sommes très fiers. Il s'agit de Rohingyas, les damnés de Birmanie, de Nicolas Bertrand et Thomas Donzel. Ils ont reçu le prix Bayeux des correspondants de guerre dans la catégorie télévision grand format. Un reportage que vous pouvez bien sûr voir ou revoir sur notre site internet et sur YouTube. Près de 482 000 euros pour une bouteille de vin, c'est du jamais vu. Une vente aux enchères record il y a quelques jours pour un Romané Conti millésime 1945. Du Bourgogne donc, et depuis quelques années, ces grands crus attisent l'appétit des milliardaires du monde entier. Ils les achètent à prix d'or. Certains deviennent même propriétaires de châteaux et de vignobles. Aujourd'hui, c'est toute une région qui s'inquiète de cette spéculation sans limite. Bourgogne, l'ivresse du succès. C'est un reportage d'Olivier Sibyl, Mathieu Drejou et Guilain de Laval. $16,000, $18,000, $19,000, $22,000, $24,000, $28,000 au téléphone. Nous en sommes à $28,000, $30,000. Terminé à $30,325. Adjugé. 30 000 euros. Ici, c'est le prix d'une simple caisse de 12 bouteilles de vin du domaine Rousseau, producteur à Gevrey-Chambertin. Nous sommes à Hong Kong, dans une vente aux enchères comme il y en a presque tous les mois. Dans la salle, une quarantaine de Chinois fortunés et discrets. Ils sont venus acheter du vin français, du Bourgogne exclusivement. Les lots s'enchaînent à prix stratosphérique. Et voici le record du jour. Une bouteille de Romané Conti, acquise en 45 secondes par cet acheteur au premier rang. Personne d'autre dans la salle à 14 080 euros ? Adjugé. 14 000 euros la bouteille ? Ce montant n'étonne personne. Chaque semaine, chaque mois, dès qu'on organise une vente, même pour les cuvées récentes comme aujourd'hui, les prix battent des records. Dans le monde entier, il y a de plus en plus de gens qui savent que ces vins sont fabuleux et qui en veulent. Que se passe-t-il en Bourgogne ? Cette fine bande de terre entre Bonnet-Dijon, mosaïque de villages, de parcelles familiales à peine plus grandes qu'un jardin, des joyaux de notre patrimoine. Alox Corton, Gevrey-Chambertin, Romané Conti. Depuis quelques années, une pluie de millions se déverse sur ces terres, suscitant fierté et inquiétude. Des milliardaires rachètent des domaines entiers, des collectionneurs spéculent sur les bouteilles. L'argent fait tourner les têtes sur ce petit coin de France. L'homme dont les caisses de vin se vendent 30 000 euros à Hong Kong s'appelle Éric Rousseau. Un bourguignon discret qui vit au rythme de ses 15 hectares de vignes. À cette période, s'il fait très chaud, ça peut pousser de 10 cm par jour. Pas très bavard, Éric Rousseau est du genre minutieux. Voilà, donc là on arrive sur un pied qui est un peu trop chargé. On voit qu'il y a beaucoup trop de raisins, donc on va en enlever à peu près la moitié de ce qu'il y a sur le pied. Peu de grappes, bien espacées, des petits grains sucrés. Dans sa vigne, pas de course au rendement. Nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément plus de jus et plus de vin, c'est des vins de qualité à la fin. Éric Rousseau emploie 10 personnes chaque jour pour une toute petite récolte. À peine 5000 caisses de vin que les clients s'arrachent. Pour le grand public, Éric Rousseau est encore inconnu. Pourtant, depuis une dizaine d'années, il est classé parmi les meilleurs vignerons dans tous les guides de dégustation. Devant la grille du domaine, des amateurs défilent du matin au soir. Celui-ci est même venu de très loin. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Bonjour. Je viens du Japon. Ah, du Japon. J'aime vraiment le vin ici.
Je voulais réserver une dégustation, mais je n'ai pas réussi à vous joindre. Ah, je crois que ce n'est pas possible. Ah, je sais à quel point vous êtes célèbre. C'est trop compliqué. On est vraiment trop occupés. J'ai été ravi de vous voir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ça arrive souvent ? Ça arrive très souvent, oui. C'est où les gens viennent, où ils envoient un mail, où ils téléphonent. Voilà. Donc, c'est non, très souvent. Pourquoi non ? Ouais, parce qu'on a, c'est, on a trop de clients déjà et on n'a pas assez de vin. Voilà. Donc, on est obligé de dire non. Pas besoin de faire déguster son vin. Tout est déjà vendu avant même d'être mis en bouteille. Éric Rousseau n'est pas très à l'aise avec cette célébrité qui lui est tombée dessus. Mon grand-père est là, par exemple, sur celle-là, ben ça, c'est pendant les vendanges. Donc du temps de son père et de son grand-père, vigneron, c'était un métier pénible, peu considéré. Armand Rousseau a été l'un des premiers dans la région à mettre son vin en bouteille sous son propre nom. Comme lui, Éric laisse toujours tranquillement vieillir ses vins dans des tonneaux en chêne. Le respect de la tradition. On a vraiment une très belle robe, d'une belle intensité, rouge, très brillant. Hein. Pour lui, le vin doit rester un plaisir simple. On a un nez d'une certaine complexité aussi. Et on a des notes aussi de fruits noirs comme cassis. Éric Rousseau ne vend son vin qu'à ses allocataires. Un millier de clients abonnés au domaine depuis des années. Voici la récolte 2016, vendue tout de même entre 30 et 300 euros la bouteille selon les cuvées, mais bien loin des prix que nous avons pu constater aux enchères à Hong Kong. Si les gens sont prêts à mettre 1000 euros dans cette bouteille de Chambertin, pourquoi vous ne la vendez pas à 1000 euros ? Alors, on pourrait peut-être le faire, oui, mais ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, on a envie de vendre nos vins à ceux qui les consomment, surtout pas ceux qui spéculent dessus, quoi. C'est qu'une bouteille de vin de 75 centilitres. Certains de ses clients fidèles n'ont pourtant aucun scrupule à remettre en vente ses bouteilles sur Internet, à peine sorties de sa cave. 2300, 2680 euros. Sur ses sites de vente aux enchères, elles sont jusqu'à 10 fois plus chères. Une spéculation sur laquelle Éric Rousseau ne touche pas un centime et qu'il a bien du mal à comprendre. Moi, je serais... acheteur, ben à ce prix-là, ça, j'en achèterai pas. Je comprends pas pourquoi il y a des prix aussi élevés. Enfin, je suis pas très à l'aise quoi quand je vois tout ça. Cette spéculation sur les Bourgognes trouve sa source à 10 000 km de là. Depuis une quinzaine d'années, c'est un courant puissant, de plus en plus fort. Les grands crus de nos vignobles partent à l'étranger, et notamment en Asie. À Hong Kong. Plaque tournante de la finance et des affaires, la ville concentre le plus grand nombre de multimillionnaires au monde. Le Bourgogne est devenu une de leurs dernières fantaisies. Un sommelier français a accepté de nous introduire dans un milieu très fermé, celui des grands collectionneurs. Ce soir, Cédric Bilien a rendez-vous dans ce restaurant. Hello, good evening. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Une dégustation privée. Autour de lui, ils sont six. Banquiers, investisseurs ou traders ayant fait fortune. Alors on commence par quoi ? On peut goûter mon Meursault 59. C'est quelque chose de très rare en Bourgogne. Il a un parfum de cannelle, de safran. Chacun a apporté deux bouteilles, des étiquettes mythiques, souvent introuvables en France. Sur la table, au total, il y en a pour plus de 5000 euros de vin. Si je suis excité ? Oh oui, je suis toujours prêt, moi. C'est un marathon ! C'est Noël avant l'heure, ou plutôt un Noël sans fin. Voici nos œufs maillot revisités, des œufs de pigeon avec de la truffe noire. Ça ira très bien avec un vin blanc minéral, comme le Corton Charlemagne.
C'est quelle appellation ? Griotte Chambertin. Quelle année ? 95. Wow. Vous savez, à Hong Kong, il y a plein de gens qui boivent des vins encore meilleurs que ça. Vraiment ? Oui, tous les soirs. Le plus grand collectionneur de la soirée, c'est lui. Un promoteur immobilier. Il s'appelle Ming Soon et il est intarissable sur sa nouvelle passion. Ah, c'est un vin complexe, mais bien plus que ça encore. Cette façon qu'il a de te faire plonger, pour moi, vraiment le 2004, c'est le summum. Au total, dans mes différentes caves, j'ai environ 200 000 bouteilles. Pas que du Bourgogne. J'ai commencé avec 90% de Bordeaux, mais aujourd'hui, j'ai 90% de Bourgogne. Étrange impression d'être transporté dans un autre monde, où le prix d'une bouteille à 300 euros semble presque dérisoire. On s'est bu pratiquement un carton de 12 bouteilles, seulement avec 7 personnes. C'est vrai que c'est des dégustations, on finit pas toutes les bouteilles, mais tous les grands vins ont été dégustés. C'est un marché qui est en train de partir un peu dans les folies. Hein. Cédric Bilien a commencé sa carrière comme sommelier dans un palace parisien, le Georges V. Il y a 13 ans, il a débarqué à Hong Kong pour assurer l'ouverture d'un grand hôtel. Il a vite senti que le marché du vin était en pleine ébullition et il s'est mis à son compte. Il fournit des hôtels, des restaurants et conseille des collectionneurs privés. Ses clients ne stockent pas tout leur vin chez eux. And just here. Thank you. Voilà, c'est ici. Dans ce quartier, juste à côté du port, il nous entraîne dans cet immeuble. Une façade austère, mais à l'intérieur, un incroyable entrepôt. Du vin à perte de vue. Des milliers de caisses de grands crus. Du Bourgogne, mais aussi de célèbres châteaux de Bordeaux. Dans ce coffre-fort géant, 3 millions de bouteilles stockées par des revendeurs comme lui. Là, par exemple, là, j'ai une de palette, par exemple les Dugafi 2016 qui vient d'arriver sur Hong Kong. Ce vin, l'un des meilleurs de Bourgogne, est déjà presque épuisé en France. On a l'impression qu'il y a davantage de stocks sur Hong Kong par rapport à certains domaines en France. Et ça, j'en suis persuadé. Des entrepôts comme celui-ci, il y en a plus d'une dizaine à Hong Kong. En 2008, la ville a supprimé toutes les taxes sur le vin. Elle serait devenue la plus grande réserve de grands crus au monde et une plaque tournante de leur commerce en Asie. Sur ces palettes, des milliers de caisses attendent d'être réexpédiées en Chine, en Malaisie ou au Japon. Et puis il y a les 12 étages inférieurs. Une toute autre ambiance. Décor en fausse brique. Musique zen. C'est un vrai labyrinthe. Hein. Ces centaines de boxes individuelles sont louées par des particuliers. C'est bien fermé ce client ? Oui, très bien fermé, comme il faut, parce qu'il est... C'est un client qui n'habite pas sur Hong Kong, qui est basé en Asie tout de même, mais qui achète beaucoup. Donc je gère en fait ses achats et son suivi. Mais comme vous pouvez voir, là ça commence à être bien plein, donc je suis en train de réfléchir avec lui pour essayer de prendre un autre endroit de stockage. Il boit beaucoup. Il boit beaucoup, mais pas suffisamment pour vider cette cave. Mais vous qui êtes sommelier, que certains de vos clients ne boivent pas de vin justement, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, personnellement, je suis un peu frustré de voir ça, mais je suis sur le marché de Hong Kong, donc j'ai besoin de m'adapter vraiment à ce marché-ci. Comme les œuvres d'art ou l'immobilier, les grands crus sont devenus un placement financier. De l'autre côté de la baie, nous voici à Macao, le Las Vegas chinois, avec ses casinos clinquants et démesuré. Cédric y a rendez-vous avec un de ses clients pour une négociation importante. Hello John. Bonjour John, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va bien ? On y va ? John Heng vit à Macao.
C'est un homme d'affaires spécialisé dans l'importation de vins portugais bon marché. Le Bourgogne, ce n'est pas franchement son vin préféré. Mais au fond de son entrepôt, dans son bureau... Ah, elles sont là. Emballées dans du film plastique pour protéger les étiquettes, 12 bouteilles du domaine de la Romanée Conti. Le vin des rois. Le domaine le plus célèbre de Bourgogne et le plus coté au monde. Et vous les buvez pas ? Non, je les garde, c'est un investissement. Le Bourgogne, c'est un bon placement. Surtout la Romanée Conti. John les a achetées 15 000 euros en 2012. 6 ans plus tard, elles en valent deux fois plus. Cédric lui fait une première proposition. Alors, si je t'en propose... 28 000 euros. Qu'en penses-tu ? 28 000. Non. Non, t'en veux plus, hein. Ok, je vais essayer de faire un peu mieux. Je vais essayer d'améliorer ça. Continuons à discuter. Sans caméra, c'est ça? Ouais. On a le temps. Cédric a du temps pour les investissements, et moi aussi. Pour ces bouteilles, le Français a déjà un acheteur potentiel en tête, avec une confortable plus-value à la clé. C'est un vin, je peux la vendre avant la fin de journée, si je veux. Nous ne connaîtrons pas le prix final de la transaction. Des bouteilles comme celle-ci peuvent changer de main discrètement des dizaines de fois, transiter de pays en pays. À Macao, la plupart d'entre elles terminent leurs courses dans des hôtels et des restaurants de luxe comme celui-ci. Pour son second rendez-vous de la journée, Cédric Bilien est venu vendre plusieurs bouteilles prestigieuses. Des Bourgognes, bien sûr. Nous avons une bouteille de Chambertin 2008 du domaine Armand Rousseau. 2008. Cette bouteille, Cédric la vend 1500 euros en prenant au passage 40% de marge. Et prix sortie domaine, c'était combien ? C'était pas grand-chose, à peine 100 euros. On est passé de 100 à 1500. Voilà, en quelques années. Et vous en pensez quoi ? Que dire ? Le marché veut ça aujourd'hui, la demande, la rareté de ces vins, on ne peut pas faire grand-chose, et c'est un peu dommage. Alors c'est étonnant parce qu'en même temps c'est votre métier, vous, de les revendre aussi ces bouteilles. C'est mon métier de les revendre, de les trouver sur le marché, mais ça fait toujours un pincement au cœur, pour être honnête. Est-ce que ça vaut vraiment cette valeur un peu extrême qui dépasse un peu les limites? Il reste évasif sur le nom de la personne qui lui a fourni ces bouteilles. Correct. Yes. One bottle. Vous l'avez eu comment, celle-ci ? Cette bouteille, je l'ai eue par un client privé en région parisienne. Il est allocataire du domaine et il revend un petit peu de son stock de temps en temps. Vous ne pouvez pas dire qui c'est, votre client ? Il préfère rester discret. Et parce que ça, les domaines n'aiment pas trop que leurs clients revendent des bouteilles. C'est quoi le problème ? Ça, ils détestent, parce que c'est à cause de ça, en fait, que les prix grimpent très fortement sur les marchés. Impossible de savoir combien de bouteilles de Bourgogne sont revendues en Asie. Un marché opaque qui échappe à toute statistique. Mais la soif de ces millionnaires semble sans limite. Ils convoitent désormais des domaines prestigieux, des vignes entières. En Bourgogne, ces dernières années, plusieurs transactions ont fait beaucoup parler. Un milliardaire de Macao a racheté le château de Gevrey-Chambertin, 2 hectares pour 8 millions d'euros. L'homme d'affaires américain Stanley Crunk, également propriétaire du club de foot d'Arsenal, s'est offert le domaine Bonneau du Martrais pour environ 200 millions d'euros. Quant au petit village de Moret-Saint-Denis et ses 600 habitants, il compte désormais 2 milliardaires français. Bernard Arnault a acquis le Clos des Lambrais, 100 millions d'euros. Juste à côté, son rival, François Pinault, a lui racheté le Clos de Tarbes. Estimation, 280 millions d'euros les 7 hectares, une vigne devenue l'une des plus chères au monde.
Parmi ces millionnaires, un homme d'affaires californien, Michael Baum. Lui s'est offert le château de Pomard et les 20 hectares de vignes qui l'entourent. Il y a 5 ans, il s'est mis en tête d'investir dans le vin français. Il est arrivé en Bourgogne un peu par hasard et ça a été le coup de foudre. Il a décidé de transformer le vieux château en vaste complexe touristique. Comment ça va? Ça va? Ça va bien. What are you doing today? Vous faites quoi? Je parle pas anglais. En français. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On est en train de ranger les branches pour que ça soit, qu'il y ait un maximum de soleil, que l'humidité s'en aille et que les raisins soient bien répartis. Voilà. D'accord. Beaucoup de raisins. Oui. Ouais, il y a beaucoup de raisins. Oui, oui. Il y a beaucoup de raisins. Si ça va jusqu'au bout, il y aura une belle récolte. C'est une bonne année. Faut que ça soit dans la cuverie. Voilà, on va croiser les doigts. Super. Michael Baum ne connaissait pas grand-chose à la France, encore moins à la Bourgogne. Alors, pour prouver son amour du vin, il n'hésite pas à donner de sa personne, avec des arguments parfois surprenants. It's a good spot, yeah. On est bien là, non? So here we are in, là, on est dans la parcelle Simone. Le vin de cette parcelle, c'est le top. Top cuvée. J'ai toujours adoré lécher les cailloux pour connaître le goût de la terre. On sent vraiment la minéralité. On peut trouver ça un peu fou, mais quand j'arrive dans une vigne et que je veux savoir quel goût aura le vin, je goûte toujours la terre. Je suis très excité par Simone cette année. Elle est très belle. Michael Baum a fait fortune en créant plusieurs start-up. La dernière d'entre elles, spécialisée dans la gestion de données, est cotée en bourse 14 milliards d'euros. Aucun problème donc pour financer ces travaux très ambitieux. Je suis là à temps plein maintenant, donc il faut que ça aille plus vite. Hein. Il a prévu un hôtel de luxe de 30 chambres, une piscine, un spa, un restaurant, des cours de cuisine. Michael Baum veut surtout attirer les touristes grâce à ses nombreuses salles de dégustation, comme celle-ci. Un cadre confortable. Rien à voir avec les caves humides et voûtées des vignerons bourguignons. Bonjour. Bonjour, Théon. Ça va? Ici, la dégustation est payante. 30 euros minimum par personne, comme c'est l'usage en Californie. C'est trois expressions de pinot noir complètement différentes. Donc il y a, en Bourgogne, il y a les sols qu'on appelle les climats, mais aussi l'année. Et l'année aussi... Michael Baum a bu son premier verre il y a 5 ans, mais il se voit déjà ambassadeur de la Bourgogne du futur. Vous voulez exporter la technologie, enfin le savoir-faire de Bourgogne en Californie? L'idée, c'est plutôt l'inverse. On veut appliquer ici des stratégies économiques de Californie. Ça se voit, parce que hier, on a visité d'autres domaines, le vin était bon, mais l'endroit, c'était pas comme ça. On espère qu'on va montrer la voie. Au total, Michael Baum aurait déjà investi plus de 60 millions d'euros dans son château. Mais il ne se fait pas de soucis. Cette terre, selon lui, c'est un placement en or. La valeur de la terre ici a doublé tous les 10 ou 15 ans. Je ne pense pas que ça va changer. Ce vignoble n'est pas extensible, donc le prix de ses propriétés ne peut que continuer de grimper. Avec l'arrivée de ces riches investisseurs, c'est toute la vigne qui s'est mise à flamber. Le moindre hectare de grand cru vaut désormais plusieurs millions d'euros. Mais dans la famille Meneveau, c'est surtout une source d'inquiétude. À Alox-Corton, ils cultivent la vigne depuis le 19e siècle. Cette terre qu'ils aiment, ils ne l'ont jamais considérée comme un placement financier. Freddy Meneveau vient de prendre la succession de son père et il ne roule pas sur l'or. Avec sa femme Daisy et ses trois enfants, ils vivent avec 2500 euros par mois.
Ils voudraient juste continuer à cultiver leurs 6 hectares de vignes. Alors tu vois, tout ce qui est rose là, c'est nos appellations village, le Scorton. Après tout ce qui est en rouge ici, c'est tout ce qui est premier cru. Et puis tout ce qui est en mauve là, ben, c'est tout ce qui est grand cru là. Et le vert. Et le vert, c'est l'Adoie premier cru. L'Adoie premier cru. Non, pas l'Adoie premier cru, l'Adoie. Comme dans de nombreuses familles, Freddy est copropriétaire de son domaine. Certaines parcelles qu'il exploite appartiennent en fait à son frère, ses oncles et sa tante. Avec ses prix qui atteignent des sommets, il n'a qu'une crainte, qu'un membre de sa famille choisisse de revendre ses parts. L'an dernier, un de ses oncles a déjà franchi le pas. Nous le comprenons tout à fait, parce qu'en fait, eux ont des enfants qui ont le même âge que nous et qui, à un moment donné, veulent aussi construire leur vie. On comprend tout à fait que, voilà, ils veulent pouvoir profiter de l'argent que peut rapporter ce bien. Sauf que s'ils vendent leur parcelle, le domaine s'effrite. On ne peut pas se passer de ces parcelles-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si on perdait un hectare de vigne, forcément, on aurait quasiment les mêmes coûts et on aurait toute la récolte de moins. Donc ça nous préoccupe parce qu'en fait... Parce qu'on n'aimerait pas que ça parte comme ça, en fait. On a l'impression que ça peut nous glisser entre les doigts. Freddy et Daisy Meneveau n'ont pas les moyens de racheter les parcelles de leurs proches. Ils devraient emprunter plusieurs millions d'euros. Alors, que faire ? Vous pourriez vous dire, je résous tous mes problèmes en vendant mes parcelles et puis je suis riche ? On pourrait, mais c'est pas le but, quoi. Vu que nous, c'est notre outil de travail, on n'en a pas tellement l'intérêt, quoi. Puis on a à cœur de nous transmettre quelque chose à nos enfants. Quoi. Mais pourquoi vous y êtes autant attaché à cette terre ? Parce que c'est notre vie. Parce qu'on y travaille tous les jours dur et puis voilà. On y travaille quand il fait froid, on y travaille quand il fait chaud. C'est un peu comme notre propre enfant. Dans chaque famille, dans chaque village, cette pression financière crée un vrai malaise. Si les domaines familiaux sont vendus par petits bouts, c'est toute la Bourgogne qui risque d'être bouleversée. Les représentants syndicaux des vignerons comme Aubert Lefa ont beau s'indigner, ils se savent bien impuissants. Il y a quelques jours, une nouvelle vente record a ému toute la région. On en parle à voix basse, mais avec indignation. Les vignerons de Gevrey sont fous furieux. Il y a un demi-hectare qui est parti à 11 millions. C'est dingue ça. Comment c'est possible ? Oui. C'est difficile, ça veut dire qu'on s'appauvrit petit à petit, qu'on perd les grands terroirs qui petit à petit partent vers des grandes maisons, et qu'à nouveau on revient sur cette viticulture familiale qui est resserrée, qui disparaît, qui est émiettée, et c'est ça le risque. Alors après, si on veut que des exploitations californiennes avec des grands machins de 50-100 hectares, on les aura petit à petit, mais on deviendra progressivement salarié de grandes structures. À ce rythme, dans 10 ou 20 ans, combien de domaines familiaux auront survécu ? La Bourgogne semble à un tournant de son histoire, déchirée entre inquiétude et fierté de voir ses vins appréciés dans le monde entier. Ce soir, au château du Clos-Vougeot, on savoure un concerto de Brahms et on déguste des grands crus. Dans ce festival renommé, des collectionneurs sont venus de Chine ou des États-Unis rencontrer ces vignerons qu'ils considèrent comme des stars. Parmi eux, Éric Rousseau a joué le jeu. Exceptionnellement, il a même apporté quelques bouteilles. Je peux prendre une photo ? Merci. That's great. Quand il n'y en a plus, il en court. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Hein. Mais c'est tout le temps comme ça. Ils sont tous bien habillés. Moi, je suis en t-shirt. Bon, c'est la Bourgogne. Hein. Donc là, c'est le même, hein, là au Saint-Jacques. Combien de temps la vigne et les vins vont-ils continuer de flamber ? Ces grands crus, dans quelques années, à part une poignée de millionnaires, qui pourra encore les déguster ? C'est la fin de...
de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite sur les réseaux sociaux. Dans un instant, c'est complément d'enquête consacré au populisme en Europe. Avec vous, Jacques Cardoz, depuis Rome.